roi des rois et seigneur des seigneurs. We crown him King of Kings and Lord of Lords. Et chanterons and sing les histoires de la rédemption. Those redemption story. Hello. En ce moment, nous allons chanter l'histoire de la rédemption. At that time, we will sing the story of redemption. Tous les sept veillées, all the seven watch était là. Was there. Quand le soleil arrive, when the sun comes, c'est la fin de veille. It's the end of the day. Il n'y a personne qui dort en ce moment. There's no one sleeping at the time. Or, si les sept veilles disparaissent, if the seven watch disappears, nous sommes déjà au lever du soleil. We already at the rising of the sun. Cela veut dire que la promesse est déjà accomplie. That's when the promise is already fulfilled. Maintenant, c'est quoi les airs? Now watch the air. Il dit, elle regardait. And said, look, quand elle l'a vu, when she saw, son cœur a été tellement rempli de joie. Her heart was filled of joy. Elle ne savait pas avec qui elle allait se marier. She didn't know with whom she going to marry to. Mais c'était par la foi. But it was by faith. Amen. Et souvenez-vous. And remember, Jésus quittera le royaume et nous le rencontrerons pas dans la gloire. Jesus will leave the kingdom and we will not meet him in the glory. Nous devons le rencontrer dans les airs. We have to meet him in the earth. Entre les cieux et la terre. Between the heaven and the earth. Entre les cieux et la terre. Between the heaven and the earth. Mais si vous prenez ça comme l'espace là qu'on appelle le ciel. If you take it as the space that we call heaven. C'est là où vous allez dire maintenant que la nuée est venue nous enlever. That's why we say the rapture, the cloud came to take. Mais écoutez le frère Branham. Il dit ceci. He says this. Entre les cieux et la terre. Between the heaven and earth. Dans l'espace qui a été déployé pour nous racheter. In the space where it was made to redeem us. Et il a rencontré Rebecca à mi-chemin entre sa maison et elle. À elle et sa maison à lui. And she met Rebecca between her house, the house and the way, on her way. Et il l'a amené dans sa maison. And she, and he took her in his house. Amen. Donc il sait et nous allons le rencontrer, n'est-ce pas, dans l'espace qui a été déployé pour les rachats. In the space that was meant to. For redeem, c'est l'usage de l'église. It's the church ages. Et toute l'éveil devait être là. All the what seven watch was supposed to be there. Les saints de tous les âges. The saints of all the ages. Devait être là. Was supposed to be there. Pour le rencontrer. To meet him. Dans les airs. In the air. C'est-à-dire. It means. L'espace qui a été déployé pour nous racheter. The space which was made to redeem us. Amen. Maintenant, le cinquième jour. No, je vais bientôt finir. I'll finish soon. Le cinquième jour. The fifth day, nous sommes toujours dans Genèse 1. We're still in Genesis 1. Dieu dit que les eaux produisent en abondance les animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ayé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le cinquième jour. Et bien ici, dans le cinquième jour, Dieu crée maintenant les animaux. God created animals. Mais vous allez remarquer, quand Dieu crée les animaux, il leur donne déjà les moyens de se multiplier. He gave them the way to multiply. Et comment remplir la terre. How to furnish the earth. Le moyen qui a été donné aux animaux, the way it was given to animals, c'était par l'accouplement. It was by joining together. Amen. Amen. Et pour les humains, for the human, pour Adam, for Adam, les moyens ne lui ont pas été donnés. That way it wasn't given to et c'est parce que quand Dieu donne les commandements aux animaux, when God gave the animal commandments, Adam n'est pas encore venu dans la chair. Adam was not on flesh. Adam était encore en esprit. Adam was still in spirit. Amen. Amen. Mais il était déjà là. But he was already there. Parce que c'est lui Adam qui créait sous forme de logos. It's Adam who was created in the form of logos. Mais dans ce logos là, in that logos, il était encore Christ. He was still Christ. Jésus Christ. Jesus Christ. Voilà pourquoi Jésus Christ. That's why Jesus. Ce n'est pas l'homme seulement de Galilée. It's not the man of Galilee. Mais Jésus Christ. Jesus Christ. C'est ce logos là. It's that logos. Qui a appelé toutes choses à l'existence. That God called everything to exist. Et on donne déjà le droit de se multiplier. He gave the right to multiply. Il leur donna la permission de se multiplier. Given the permission to multiply. Mais à Adam, but to Adam,
Lui comme étant le fils de Dieu, him as the son of God, lui il devait reproduire les enfants comme son père. He was supposed to produce children as his father. Comment? How? Comme Jésus a produit l'enfant. And Jesus produced the son. Et pardon, Dieu a produit as, l'enfant. Sorry, as God produced the son. Dans le ventre de Marie. In the Mary womb. Par la parole. By the word, by the spoken word. Amen. Donc toute production. Every production. En dehors de la manière de Dieu. Outside the way of God. C'était un péché. Sin. Voilà pourquoi l'homme de la chair, that's why the man of flesh, il ne peut pas hériter. He cannot hériter. Parce qu'il est venu de la manière de Satan. Because he came in the way of Satan. Et le frère Branham dit, il est l'union de Satan et Eve. It is the union of Satan and Eve. Amen. Si vous comprenez tout ça, if you understand, vous comprenez que l'enlèvement you understand the rapture, ne concerne pas cet homme. Does not concern this man. Amen. Amen. Et le sixième jour, and the sixth day, la Bible dit, the Bible says, Genesis 1:24. Dans le sixième jour, c'est maintenant l'homme qui est créé. In the sixth day, that's when man was created. Je saute au verset 26. I'm jumping to verse 26. Puis Dieu dit, and God said, faisons l'homme à notre image. Let us make man in our image. Selon notre ressemblance. After our likeness. Et qu'il domine sur les poissons de la mer. Let him have dominion over the fish. Sur les oiseaux du ciel. Over the of the earth. Sur le bétail. Over the sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. And over all the earth and over every creeping thing that creeps upon the earth. Dans le sixième jour. In the sixth day, l'homme fut créé. And the man was created. Et c'était le dernier jour de la création. It was the last day of creation. Parce que dans le septième jour, because in the seventh day, Dieu s'est reposé. God rested. Amen. Amen. Je ne vais pas aborder l'homme. I will not go for the man. Prochainement, je prends l'homme. Next time I speak of the man. Mais écoutez ceci. By listening to this. Genesis 1. Dieu vit tout ce que tout cela avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le sixième jour. And God saw everything that he had made, and behold, it was very good. And the evening and the morning were the sixth day. Mais dans le septième jour, now, in the seventh day, Dieu ne fit plus rien. God didn't do anything else. Genesis 2:1. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Thus the heaven and the earth were finished, and all the host of them. Dieu acheva au septième jour son œuvre. And God qu'il avait faite. And on the seventh day God ended his work which he had made. Et il se reposa. And he rested. Au septième jour. On the seventh day. De toute son œuvre qu'il avait faite. From all his work which he had donc, dans made. Dans le sixième jour. In the sixth day. Dieu finit le travail. God finished the work. Il se repose. He rested. Mais vous avez remarqué. But you notice. Genèse 2, la Bible dit, the Bible says, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. The Lord God formed a man from of the dust of the ground. Formed a man of the dust of the ground. Et pourtant, l'homme, man, Dieu, pardon, God, avait déjà fini de créer. Finished creating. Mais ici, but here, il forme encore. He formed again. Est-ce que Dieu s'est reposé? Did God rest? Oui, monsieur. Yes, sir. Le repos de Dieu, the rest of c'était God, par rapport à la création. It was according to the creation. L'homme là qu'on forme, the man that was ce n'est pas créé. Is not created. Il prend la poussière de la terre. He take the dust of the ground. Il est formé. And he formed. Voilà pourquoi cet homme là, that's why this man, c'est un homme qui a été formé en dehors des âges de la création. That's why the man who was formed there, he was formed outside of the years of creation. Donc l'homme de la chair, the man of flesh, il n'a pas été créé. He was not created. Il a été formé. He was formed. C'est celui qui était à l'intérieur de lui. He's the one who was inside. Qui a été créé. That was created. Et c'est après le septième jour, it's after the seventh day, qu'on va former that the form, l'homme de la poussière. Man of the flesh. Pour prendre maintenant l'homme qui a été that créé. To take the man that was created. Et on met dedans. And put him inside. Amen. Et l'homme qui a été créé. And the man was created. L'homme qui a été créé. The man that was created. A été créé à l'image de Dieu. Was created in the image of God. Amen. Amen. C'est celui-là. It's that one. L'homme de Dieu. Lord of God. L'homme qui a été créé à l'image de Dieu. The man was created in the image of God. Lui, il est céleste. He is a celestial. Et l'homme de chair. And the man of flesh. C'est intéressant. Is it mortal? Amen. Celui-là, il est immortel. That one is immortal. Celui-là est mortel. That one is mortal.
Donc celui-là ne peut pas mourir. That one cannot die. Parce que lui, il vient du Logos. Came from the Logos. C'est le véritable toi. It's the true you. Et celui-là, and that one, celui qui a été formé, the one who was formed, après même le repos de la création. Even after the rest of creation. Amen. Parce qu'il n'appartient pas à l'ordre de Dieu. He doesn't belong to the orders of God. Lui, il n'a rien à voir avec Dieu, cet homme. He has nothing to do with God. Et prendre toutes les promesses qui appartiennent à ce monsieur. So take all the promises that belong to that. Donner ça à celui-ci. Give it to this one. C'est ça le péché. That's sin. Amen. Mm-hmm. Lui, il est mortel. Him is immortal. Et lui, il est immortel. And him is immortal. Amen. Amen. Nous allons prendre ça prochainement, Genèse chapitre 2. We'll speak of it next time. Genèse. Je vais le séance partie 3. Quel est le Seigneur? Thank you.
Thank you.
Seigneur, qu'il examen sera un succès pour nos enfants qui se préparent pour eux.